Mosh pit de 6v6. Ok. Donc là, en fait, on a tous les shipments, à savoir Bipment, Ghost Ship, pardon. On a Arena Shipment, Stay Height, donc qui est un shipment aussi, mais en version pixel. On a Ship Mass, Shipment, du coup, la carte classique, Cell Ship et Sunny Shipment. Alors, Cell Ship, je l'ai fait, Shipment classique, je l'ai fait, Ship Mass, je l'ai fait. Arena Shipment, je l'ai jamais fait. Ghost Ship, je crois que je l'ai jamais fait non plus. Et Bipment, je l'ai pas fait non plus. Sunny Shipment, peut-être, parce que Sunny Shipment, je crois que c'est une map qui est un peu plus colorée, etc. Mais on va s'essayer avec ce mode-là. Juste activer celui-là, parfait. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Parce que là, on a vraiment tous les shipments qui ont été faits, en fait. Bah sur MW3 quoi. Je crois pas que ça regroupe tous ceux qui ont été faits sur tous les Call of Duty, bah tous les Modern Warfare. Mais par contre, ça regroupe au moins tous les shipments de MW3 et puis ça c'est cool. Ah là on a Sunny Shipment et Ghost Ship. Bah on va aller sur Ghost Ship. Enfin je vais voter Ghost Ship, pas dit que ce soit ça mais. Parce que Ghost Ship, bah c'est. Tu sais, c'est la période d'Halloween quoi. Tu vois, là on va arriver au mois d'octobre. La période d'Halloween va commencer. Donc. Mais là pour moi ça va être Sunny Shipment. Eh les gars, il y a Ghost Ship, ça a plus de gueule, non? C'est peut-être plus d'actualité, quoi. Bon, bah à première vue, c'est peut-être pas assez d'actualité pour eux, quoi. Ah oui, t'avais le pack Daryl qui était sorti. Ah, ils l'ont trop bien reproduit, hein. Mais à première vue, les armes sont un peu merdiques, alors ça vaut peut-être pas le coup non plus, mais bon, il est cool. Au moins, le skin est cool, tu vois. Au moins le skin est cool. Je prendrais peut-être. Tiens, la Superi. Ah, quoique non. On va prendre la nouvelle arme parce que c'est vrai que là c'est la nouvelle arme donc. On va la prendre. Elle est belle avec la petite petit camo 115. Ah, ça avait déjà tourné. Ok, j'ai eu les trois. Ok, j'ai eu les deux camos d'un coup. Je pensais que c'était un gars. En fait, tu vois le laser vert là? Voilà, bien ce qui me semblait. Il y avait un petit laser vert. Ok, bombardement. Bon bah écoute. On a débloqué les deux petits camos. Ah, excuse-moi. What? Ah putain, merde. J'étais derrière le... Le truc en plus, hein. Ah ouais, les tirs. Putain, mais arrêtez de vous mettre en face de moi là. Les gars se mettent tous en face de moi. Putain, je m'étais flashé avec ma propre paralysante en plus. Merde, je pense que je vais mourir. Ouais, c'était sûr. Regarde.
Voilà. Il y avait un gars. Ok, bah écoute, on va défendre. Hein. Bon, normalement, il y avait des mecs qui étaient à côté de nous, mais. Qu'on a le point strat. Ah, bien joué. Ok, j'en ai eu un. Fuck. Mais, what? Je suis sur lui. Ah bah ouais, d'accord. C'est quoi, il cheat lui ou... Ah merde, ça c'est un pote. Let's go. Oh putain, ils ont pas joué l'objectif du tout en fait. Eh, 100 à 39 quoi. Ah ouais. Eh les gars, ils ont pas joué hein. Putain. Mais bon, en tout cas la petite D-Tier 30-06, elle est cool hein. Bah là, je l'ai mis avec des avec un canon un peu raccourci, tu vois, j'ai mis le canon silencieux Shadowcaster. J'ai mis le petit réflecteur MK3, le chargeur de 40 parce que c'est vrai que en fait, à la base, t'as un chargeur de 20 cartouches et je trouve que c'était pas beaucoup donc j'en ai mis deux fois plus. Il y a char de 30 aussi qui existe et on a la poignée hôtel 45 et la poignée lourde de soutien bruyenne. Voilà, donc si jamais, de toute façon la classe sera dans le Discord hein, étant donné que c'est une nouvelle arme, donc je vais pouvoir la mettre avec les accessoires, etc. Alors là on a débloqué, bah ce camo là il est trop bien quoi. Moi je vais mettre celui-là direct, hein. Il est trop beau. Ah ouais, avec les petites ondulations comme ça, mais c'est trop stylé quoi. Eh, en vrai, avec les ondulations comme ça, c'est stylé de ouf. Je sais plus si dans le pass de combat il y avait une variante de cette arme en mode fantôme, je crois que oui. Parce qu'en vrai, la variante de l'arme en mode fantôme, avec un camo comme ça, pff, mec, c'est incroyable. Elle est, ouais, franchement, elle est super cool. Et tu vois, quand c'est un peu dans le côté sombre, là, comme ça, bah, ça ressort vachement bien, quoi. Donc, Oula. Ouais, je manque un peu de presse. Bon, en fait, il y a une petite... Il y a une légère... comment on appelle ça ? Il y a un léger recul en fait, donc c'est vrai que par moment pour les tirs de loin c'est un petit peu plus compliqué que quand tu fais des tirs à mid-distance, mais... Ok, là on est sur Cell Ship. Ok, bon, Cell Ship, pareil, on la connaît quand même pas mal, mais bon, on va la faire quand même parce que bah, c'est une variante, donc... tu sais, c'est pas la variante genre en mode nuit quoi, là c'est la variante... Oh merde. Ok, il l'a dégagé. Il m'a fait peur le con. Eh, franchement, le camo vert là, il est incroyable. Ah ouais, d'accord, lui, il était derrière mes collègues. Bon, je l'ai hit avec la grenade. Bon, c'est vrai que en fait, Shipment, comme c'est une toute petite map, t'as beaucoup de collègues à toi qui peuvent te tuer. Hein. Bah, vraiment, je parle en hardcore là, mais c'est vrai que t'as quand même beaucoup de collègues qui peuvent te tuer.
Puis tu vois les mecs ils sont en mode fusil à pompe et tout. Ah ouais. Le gars il a réapparu littéralement devant moi quoi. Ah merde putain j'étais la paralysante. Bon écoute, au moins on a fait un petit peu de kill. Tu vois, lui il est réapparu derrière moi. Ah ouais, il y avait encore un mec. Ah, il était allongé dedans. Oh, oh. Putain, la thermite elle m'a fait mal, hein. La thermite, elle m'a fait mal, mon pote. Hein. Y'a un gars ici, là? Dommage. Ah lui avec son pompe c'est une horreur. Let's go. Bon bah on a encore gagné Ah là par contre c'est vrai que les deux équipes n'ont pas spécialement joué l'objet mais bon en tout cas voilà. Bon ça c'est parce que c'était plus une deuxième variante de shipment. Donc c'est pour ça que je préférais la faire. Ça reste Cellship, Cellship on la connaît, elle est sortie il y a un petit peu de temps quand même, donc voilà. Mais je trouvais quand même que c'était cool de la faire pour voir un petit peu, et puis en même temps bah, j'ai pu faire un petit peu la présentation du camouflage un petit peu vert et tout là qui est assez cool de l'arme, donc ça fait plaisir. Ok, Arena Shipment, avec la petite détire. Alors là par contre ça change radicalement parce que, en fait, bah t'as pas de container, t'as rien quoi. Ok. Ah ouais, putain, lui il a allongé là-bas. Oh, aïe, aïe. Ah bah tiens, un pote qui me tue. Ah vraiment, les shipments par contre. Ah putain son pote qui me regardait. Regarde ailleurs. Ah ouais. J'ai regardé il y a 2 secondes ici, il y avait personne et là il y avait une personne après. Bon en tout cas, Arena elle est vraiment vraiment cool. Elle a une vibe un peu Warzone 1 d'ailleurs, je trouve. C'est vraiment plaisant. On a pas entouré je crois. Eh les points strat ils sont pas grands. J'ai jamais fait gaffe mais Eh ils sont vraiment tout petits quoi. Je sais même pas si mes balles traversent mais je me dis au cas où. Ah putain.
Bon, c'est vrai que comme c'est vraiment des toutes petites maps, les spawns, je crois que c'est même pas gérable en fait. Ah, mais lui il a pas bougé, hein. Lui il est encore au même endroit, quoi. Allez, vas-y, dégagez de là, là. Ah ouais, oh là là, putain, les mecs, ah, les corners, ils adorent, hein. Oh putain, il y avait l'autre à côté. Wesh, les grenades, ça va, non? Ah ouais, l'autre il est... Attends, mes balles traversent pas, là? Ah ouais, mes balles ne traversent pas! Dommage. Let's go! Bon, bah, en tout cas, on a pu voir un petit peu ce que donnait la map Arena Shipment. Et puis, ouais, elle est cool, hein, franchement. Elle est super cool et elle fait vraiment penser à une vibe de Warzone 1. Tu sais, un peu le stadium. Parce que bon, bah, tu sais, t'as le côté un peu publicité, etc. Et je sais pas, genre, au niveau de ce que la map dégage, bah, elle dégage un petit peu de Warzone, quoi. Je sais pas, enfin, c'est un truc que j'ai remarqué au niveau, tu sais, de la colorimétrie, des choses comme ça, et puis ça me faisait super penser à Warzone, quoi. Alors, ah bah, c'est ça, ok. Bon, ça, c'est du coup Shipment en version pixel. Et là, on repart, ouais, ok. On repart dans la mer. Ah bah ouais, ok, il y avait le gars à côté. Mais what? Alors moi quand je fais ça, les mecs ils arrivent à passer, mais moi j'arrive pas à passer. Ouais, par contre là il y a drone amélioré, c'est ça va être une dinguerie. Ah merde, putain. À chaque fois, je prends la décision de monter là-dessus, mais... Dommage. Mais bon, écoutez, on a fait une petite game sur la map, et puis... bah, en fait, vraiment, le but, c'est pas forcément de faire des carnages, mais plutôt de vous faire découvrir un petit peu les maps et tout.
Parce que c'est vrai qu'en fait, bah, tu vois un petit peu là comment il joue, les gars. Lui, il voulait aller camper en fait là où il y avait son pote, et puis quand il a vu qu'il y avait son pote, il a fait demi-tour. Tu dis, ouais, bon. On en est là, quoi. On en est là. mais bon. Bon, après, elle est cool. Elle est cool. Bah, après, ça reste plus ou moins. Tu sais, c'est Shipment. Hein. C'est juste que c'est un Shipment qui est un peu différent des autres. Mais celle qui est vraiment, vraiment nice, par contre, c'est Ghost Ship. Ghost Ship, par contre, elle est ultra cool. Donc, on va essayer de retomber dessus parce que. Bah, là, on a Shipment et Bitmount. Donc, ça, on l'a déjà fait. Wow! Ok, t'as un... Ah non, putain, je croyais que t'avais un ouragan. Tu sais, genre, je sais pas, un truc dans la mer là qui partait en sucette. Oh, je l'ai collé! Non, je l'ai collé, mais je l'ai pas tué. Putain, il s'est fait tuer avant. Allez, bouge, toi. Mon pote qui me bute. Bon, au moins on fait les tirs dans la tête. Je dirais j'ai un défi à faire avec ça, donc comme ça on se le fait. Ah putain, la thermo d'un pote. Putain, il avait été collé, le gars. Eh, deux fois que je colle un gars, deux fois que je me fais baiser. C'est moi, on est en train de les fumer là. Putain, les tirs dans la tête, je te l'ai fait, mon pote. Ah, les spawns, ils sont fuckés, mon gars, mais ils sont éclatés, hein. Eh, les spawns, ils sont finis. Sur Shipman, c'est inexistant. Après, en vrai, je critique, mais je peux comprendre. Tu sais, une aussi petite map que ça, c'est impossible de gérer des spawns adéquatement, hein. Ouais, lui il a pas derrière nous. Je sais pas quand est-ce que je termine mon défi avec les terres dans la tête, mais ça va pas mettre longtemps à se terminer, hein. Ah putain. Ah what? Mais what? Mais c'est quoi ça? Attends, mais le gars il a buté tout le monde à travers les murs. Ah putain, il y en avait deux en plus. Ah mais c'est lui qui tire à travers les murs tout à l'heure. Après non, je joue le bjo, eux ils le jouent pas. Et ça nous amène à la victoire. Let's go. Oh, Stayite! Ah bah non, j'ai jamais faite! Ah bah on va se la faire! Ah, c'est encore un autre celui-là!
Je crois que c'était Bit Mount ou je sais pas quoi. Ah, elle est cool. Putain, je me suis retourné, je l'ai vu apparaître. Je peux pas bouger en fait. Eh mais elle est insane! Wow putain, eh mais les gars. Ah ouais, t'as des petits écrans et tout! Putain, incroyable! Ouais, vas-y, bouge de là, toi. Ah, y'en a un là, en fait. Ah non, c'est un leurre. Putain, mais est-ce que. Ah, du coup, t'as pas de toit, t'as rien! Ok. Ok. Donc là, ça veut dire, mec, t'as open bar quoi. T'as un bien joué. Oh, on a débloqué le camo. Ah ça fait. Eh putain mais elle est vraiment incroyable la map, je la trouve vraiment cool. Elle a un bon petit design et tout. Bon, je vais juste rester là pour pas faire tourner le spawn. Ah bah merde, t'es arrivé devant moi toi. Ah bah. Oh aïe aïe. Oh putain, j'ai plus de balles. Ah, ça c'est un pote. Ah, il était omnibulé par moi. Ah merde, dommage. Ok, par contre j'ai les dégâts d'alliés. J'ai des alliés, par contre ça c'est chiant. Il va aller où lui? Oh, ils sont plus que deux. Ah les mecs, ils ont tellement pris cher, ils se sont tous barrés. What? Bah il est tout seul.
Oh, les poufs, ils ont réapparu, les gars. Mais c'est un truc de ouf, hein, de réapparaître comme ça. Ah oui, ils sont pas au courant qu'ils ont atteint une game qu'il aurait pas fallu rejoindre, quoi. Ah, dommage. Putain, j'étais dans la tablette, fait chier. Let's go! Ok, donc là, en fait, Ghost Ship, c'est Shipment, mais par contre, t'es pas dans l'eau. Tu sais, là, t'as des petites habitations ici et tout. Que. Ouais, c'est sympa. T'as par contre des tirs dans la tête avec cette arme là, mais ça se fait super facilement quoi. Ah, bien joué. Ah putain, dommage. Il y a un petit enchaînement, mais. Putain, l'allié qui me fait chier là. T'as même lui, il savait même pas qu'il y avait un pote, un ennemi à côté de lui quoi. Ah non, putain, dommage. Mais what? J'ai tiré sur le gars. Ah putain, je voyais rien avec le corps du gars. Putain, j'avoue ça, c'est chiant parce que sur les shipments, par contre, quand tu tires sur tes alliés et que après tu peux plus faire d'erreur, tu vois, c'est la merde. Bon, en tout cas, voilà pour ce qui était de Ghost Ship. Bon, après, c'est vrai que c'est des petites maps, donc il n'y a pas forcément énormément de choses à présenter, mais Ghost Ship, par contre, c'est, je pense, ma map préférée en termes de variante quoi. Après, c'est vrai que j'aime bien quand Shipment elle est quand même assez colorée, donc les autres variantes plus colorées me conviendraient aussi en réalité. Mais c'est vrai que Ghost Ship, en termes de map en mode Halloween, elle est trop trop belle.